Eh bien, salut à tous, c'est Demonslash. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 ou 10 de Alien Isolation du Let's Play, la campagne. Alors, j'ai trouvé, enfin, je suis pas sûr, mais enfin, dans l'épisode précédent, à la fin du live, nous avons pu voir que au niveau de la flèche, la manette n'est pas prise en compte, voilà. Au niveau de là, eh bien, il y a le petit conduit du réacteur central. Donc, c'est cet endroit-là qu'on doit aller, je pense. On va y aller tranquillement mais sûrement. Alors j'espère que c'est là, c'est un conduit, donc j'imagine que j'ai dû pas le voir. Et surtout que bah, je pense que c'est là, puis c'est réacteur, donc c'est là où il y a le courant quoi. Donc j'imagine bien que c'est pour là. Ça va, il descend pas trop depuis tout à l'heure. Hein. Il descend quand il y a du bruit seulement. Je sais pas pourquoi il y a des trucs qui crient ou je sais pas trop. J'espère que c'est par là parce que je vois pas sinon. Ah bah attends, il est là. Il serait là. Il est descendu sans me prévenir. Il est là dans le coin, il sait que c'est pas, c'est que c'est par là, hein, s'il est là. Mais c'est étonnant quand même que ce soit par là. Espérons-le. Hein. C'est le seul endroit joueur hein, pour l'exciter. Je vois pas sinon, il n'y a pas de lieu de passage quoi. Chaud. Ce serait ici. Hein. Question. Vers le réacteur central. Ah, j'ai peut-être pas été par là. Si, c'est là où il y a l'échelle, non? Ouais. Il y a peut-être un truc ici, hein. Donc,
pas l'air d'avoir grand chose. Putain, dégoûté. Je sais pas du tout si c'est ça. En vrai, je cramerais bien le truc. Le truc où c'est filamenteux là. Pour essayer de passer, parce qu'il y a bien un passage. Hein. Et je cramerais bien cet endroit en fait. On pose la question si on peut pas le cramer ce truc là. On va essayer. Après, je garantis rien. Parce que là, honnêtement, c'est chaud de trouver un trou dans le noir, hein, comme ça. Essayer en tout cas, ça va marcher. Ah, il y avait un moi là. Je vais regarder vite fait. Je vais vite fait sur internet la Solus parce qu'en vrai on va pas s'éterniser non plus là-dedans. Toujours un endroit qu'on trouve pas quoi, c'est abusé. Alors attendez. Ok. Donc on est au chapitre 14 alors. Comme c'est que là voilà, il fait noir et tout, je vais pas m'éterniser là-dedans. Là, vous le cacher. Voilà, ça je l'ai, on l'a fait tout à l'heure. Enfin moi pour moi en live et pour vous dans les petits précédents. Attendez, du coup. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris pourquoi je ne trouvais pas le truc. C'est un conduit, en effet, qu'il faut trouver. Qui, du coup, est au niveau du courant, doit être remis pour savoir. Ok, alors une fois de l'autre côté, remontez le couloir à droite lorsque le chemin se divise en deux, continuez à serrer à gauche. Surveillez les conduits, plafond, ajoutez du lance-flamme car vous risquez d'être agressé de nombreuses reprises. Finalement, vous, au niveau du réacteur B, non, ça c'est pas bon ça. Vous pouvez activer le conduit à la fin en commande sur le pilier. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Bah, je l'ai vu il y a 2 secondes. Ah voilà, prenez le couloir qui finit en cul-de-sac. De l'autre côté du poste de sauvegarde et surveiller un conduit très discret sur la gauche. Image 34. Voir l'image un peu. Ah d'accord. Ah oui, ok, il y a une petite lumière au-dessus. D'accord. Donc au niveau du cul-de-sac, pour le couloir qui finit en cul-de-sac, le couloir qui finit en cul-de-sac. Alors il n'y a pas 50 000 et c'est peut-être celui-ci je pense. Voilà. Donc on va revenir au début. Je pense qu'il parle bien de la deuxième sauvegarde. On va pas sauvegarder parce qu'on n'arrange pas de sauvegarder ici. Il est juste là. Hein.
ma droite, hein, c'est ça. C'est bien si on fait 50 niveaux le tour. Je savais qu'il y avait un petit trou, quelque chose, un truc dans le genre. C'est évident, mais bon. Oui, c'est comme là en fait. C'est un tour. Non, c'est par là. Et le seul couloir qui finit en cul-de-sac, c'est ce. À moins que c'est celui-là. C'est ça, celui-là. Putain, celle-là, je crois. J'étais ici. Je crois que c'est ça qui parle. Mais j'étais ici. Apparemment, il y a un générateur ici, apparemment. Il y a une salle avec un petit générateur. Apparemment. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vu le générateur. C'est qu'il y a un générateur ici. Enfin, il y a un truc là. Mais bon. Ça me paraît pas qu'ici en fait. Enfin, je sais pas, apparemment ils disent que c'est ici. Enfin, que c'est. Ils disent que c'est un petit chemin avec un générateur au bout, c'est ce qu'ils disent. À moins que c'était vraiment là, qu'il y a un truc à faire ici. Mais c'est vrai que j'étais ici, je trouvais ça bizarre, avait rien. On avait été ici déjà. Je comprends pas. À moins que c'est pour échapper à la vienne. Parce qu'après, normalement, il y a ça comme cul-de-sac au bout là. Ou celui-ci ici. C'est celui-là, peut-être. Peut-être qu'il y a un truc dans le cul-de-sac au bout. C'est possible. Il n'y a rien du tout. Hein. Un autre endroit, je ne vois pas. Mais ça va pas l'air. Non, je crois pas que c'est là. Hein. De l'autre côté. La seule dès qu'on voit une lumière sur le côté, c'est un petit tunnel. Et j'ai vu l'image, c'était un tunnel justement qui était représenté, donc je pense. Il dit que c'était à côté de la sauvegarde. La sauvegarde est là. Hein. À moins que c'est le long tunnel là qui est là. Ouais, un petit tunnel. Ah là, peut-être à gauche. Regardez, c'était celui-là. Et ça a l'air d'être ça en plus. C'est ça. Putain, c'est ça. Putain, on l'a manqué de peu. Hein. On l'a vraiment manqué de peu en vrai. Hein. Putain. Oh, je voyais tellement rien aussi. Du coup, c'est bon, on est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a ici? On peut venir ici? Je pense pas. Hein.
Ok, du coup, on a rallumé le truc. C'est nice. Non, il y a juste à. Bah, comment terminer le truc? Il est là, le salaud. Bonjour, il était reparti, j'ai trop peur. Ça me fait surprendre d'un coup. Ça me fait putain de surprendre. Il est reparti. Et des fois, on l'entend pas repartir. Ouais, il disait qu'il fallait utiliser beaucoup de fois le lance-flamme parce qu'on faisait beaucoup agresser et tout ça. Bon, ça va. On y est juste à se planquer un peu, attendre qu'il se casse et puis c'est tout en fait. En vrai, ça va. Juste pas trop lance-flamme pour pas trop qu'il soit adhéré à ça, mais là, qu'il s'habitue trop à ça parce que je serais dans la merde sinon. Mais... Du coup, c'est bon. J'ai cru qu'il était derrière moi. J'ai cru qu'il était derrière moi. Il y a un deuxième? Retourner dans le réacteur. Ok, bon, faut tout faire le tour. Attends un peu que ça se calme le bruit. Laisse-moi en bout. C'est une évidence même. On y va, let's go. Alors on fait quoi? On passe par là. On va juste sauvegarder histoire de poser. Puis bah, c'est parti, hein. Allons faire péter tout ça pour qu'ils crèvent tous ces enfoirés. Et d'ailleurs, on est presque à la fin du let's play. Hein. Je pense qu'on aura peut-être un ou deux lives. Je pense qu'on s'assoit pas. Là, on est là, je dirais qu'il y a encore deux lives après qu'on a fini. Peut-être un seul. Ça. Par contre, on va peut-être se faire agresser sous le chemin. Ah, peut-être ça justement, les agressous qui parlaient. Pas forcément la lune en fait. Ils viennent popper devant moi alors que j'étais en train de. Ouais, il dit 4 légitimes défense. Il a pompé devant moi, j'ai pas trop le choix. Il a dû être alerté par le bruit de la main là. Ah, c'est pas très grave. Hein. Faut bien se sortir. Faut bien sortir un peu le fusil. Enfin plutôt le lance-lame. Le calmer un peu parce que. Ils ont popé le truc. Ils ont repopé. Repopé. C'est vrai que là-dedans, c'est assez sinistre hein, comme endroit. Donc
donc par rapport à la station d'elle-même, ça fait plus peur ici que la station. Bon, après, ça va en vrai. Honnêtement, il m'a fait juste un petit coup sursauter là parce qu'il l'a popé devant moi. J'étais en train de faire la pause là pour regarder la carte. Mais bon, sinon, c'est tout. Hein. Il n'y en a pas plusieurs déjà, c'était une bonne chose. Plusieurs, je pense qu'on serait déjà. Ça aurait été compliqué quoi. On serait peut-être déjà tanné une paire de fois, je pense. Oula. En fait, on va voir l'ascenseur. Ça lui faisait plus rien dans ce là. Ça lui faisait plus rien, vous avez vu comment ça lui a plus rien fait? Possible. Ça y est, il a adapté au lance-là. Il a eu peur sur le coup et s'est arrêté après, il m'a réattaqué. Salaud. Il est là. Dégage, salaud. Longtemps qu'on n'a pas été tué par lui. Hein. Ça fait longtemps. Bon, de toute façon, on arrive là. J'aurais dû courir. En fait. Putain, le bâtard! Putain, le bâtard! J'aurais dû courir! Arrête de me tuer! Ça y est, tu nous as pas tué depuis je sais pas combien de live et là tu nous tues maintenant. Putain, t'es ton pote là. Il va tomber. Il va se planquer. Non? Les RNG champ. Oh le bâtard, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Il arrive pas à nous tuer là. Là il nous a. Là il a trouvé la stratégie là. Il a trouvé la stratégie, le salopard. On se fait spawn kill presque. Ouais. Il est là. Je crois. Non. C'est pas lui là. Il m'empêche d'aller au truc en fait, il spawn derrière moi. Et vu que l'ensemble ça fait plus rien. Quel salopard. J'ai du bruit exprès. Viens, faut. Derrière moi. On part. Ciao, enfoiré. Tu me rends pas une quatrième fois. Oh là là. Ricardo, enfin. Je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer la vie, Rip. J'aimerais juste que tu en sortes indemne. Il y a des voilà ce qui va se passer.
Des circuits de surcharge d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les batteries du condensateur local de chaque tour. Si je les découpe et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher. Allez. Je crois que c'est là, ouais, on va aller à ce côté. Cela, hein. Ils ont résisté, c'était bizarre. Le petit là quand il charge son laser. Tiens, pas la même que là. En vrai, je sais pas si la ligne peut me suivre. Je vais faire un par un et est-ce que tu... C'était bon là. C'est là.
l'air d'être correct. On va finir aujourd'hui dans ce live là, je ne sais pas, peut-être, mais on avance quand même bien, donc je sais pas, peut-être encore un live après, mais je pense pas plus en vrai, je pense qu'on aura presque fini, parce que là on est en train de supprimer le truc pour tout détruire, donc après je sais pas trop ce qu'on doit faire, mais je pense qu'on est proche de la fin quand même, là on va être, la session est proche de la fin, mais après je sais pas trop où. Je crois qu'on doit être chapitre 14, je crois qu'on doit être. Il y en a 18. Donc ça va peut-être ce live là. Oh putain de merde. Putain mon enfoiré. Vous êtes trop nombreux, vous tous, vous avez pas tous vous avoir. Ils sont beaucoup nombreux. Pas beaucoup nombreux. Beaucoup trop nombreux. Ils seront au moins 4 là. 4-5 facile. J'ai une balle de pompe, je sais pas quoi tout. Ah putain, je dois aller là-bas. Ils prennent feu ? Peut-être l'énergie qu'il y a dans l'air pour ça. Donc là on doit le voir là. Peut-être. C'est parti, on monte. Ok. On s'est verrouillé de toute façon. C'est quoi ça? Faire quoi là? Ricardo, je vais purger le nid. J'ai pas tout compris, mais j'ai juste descendu. Encore là, je l'ai vu. Il est parti. Développement pathogène maintenu à Oméga. Détection de plusieurs organismes vivants non enregistrés sur Sébastopol. Niveau d'énergie compromis sur l'ensemble de la station. Il en reste encore dans la station.
Il y en a un qui a réussi à s'échapper. Oh, il y a au moins 4-5 qui réussissent à s'échapper. Je suis désolé, Ricardo. Allez, retourne au bureau du Marshal, Rip. S'il te plaît. Oh my god. Mais imaginez qu'on va tomber sur les 4. Ou les, c'est le 10 qui reste, je sais même pas combien il y en a en fait. Oh my god, ça va puer ça. Parce que... oh, il y en a partout. Oh non, on peut même plus utiliser ça. Ça sert plus à rien. Voilà. Oh là. Quelle complication. Bon, ben, je pense qu'on va passer par là. Oh my god, ça va puer ça. Je le sens mal. Oh, oh, oh. Je le sens terrible. Avant, on pouvait courir comme un petit fou. Maintenant, on peut plus. Attends, Rip, il se passe un truc bizarre. Tu crois? Va au centre médical, tout de suite. La purge du réacteur a provoqué un redémarrage des systèmes dans Sébastopol. L'éclairage, le transit, peut-être même les communications. Je crois que c'est notre chance. Vas-y! Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais au centre de communication. C'est où ça? C'est où ça? Que je dois faire? C'est ouvert devant. C'était pas avant. Et tout ce qu'on a fait, j'espère qu'il y a une petite sauvegarde quelque part, ça serait bien. J'entends pas les conduits, donc peut-être qu'ils sont pas là encore les aliens. De sauvegarde par contre. Ça c'est bon ça de sauvegarde. Ok. On est ici. On va faire quoi? Aller à la gare de transit. Ah oui c'est lequel? Je crois que c'est celui qui est allumé. Non, il y en a plusieurs. Merde, c'est lequel? Service offline. De trouver un mot, quelque chose qui pourrait m'aider. Destination Loren System, c'est pas ça. Solomon, habitation sur tap. Allez, la gare. C'est peut-être là la gare. Rien dans les conduits. Je crois que ça va être le numéro 2. Je sais pas en fait. J'espère. Au moins que c'est ici. Voilà. Ça a l'air d'être par là, hein, je pense. Il faut trouver. Là, on y a la gare et transit en fait. Mais oui, en fait. Ah, il y a peut-être un truc à chercher ici, j'ai pas pensé à ça. On doit y être sûrement d'ailleurs. Il y a un truc à trouver ici, c'est tout. Je sais pas ce qu'il faut, mais il y a un truc. Tout aspirateur là. Pensez aux autres voyageurs. Emportez vos déchets avec vous. Ah, mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? Le 2 est arrivé, mais il y a un truc à aller à la gare de transit de la salle des machines. Ah, c'est la tour Samuel. Ah, Samuel Simed. C'est pas ça. Putain, mais c'est quoi que je dois faire, moi? Service offline. C'était pour aller où, ça? Putain, fuck. Attends, mais un coup, on me cul. Ah là, ça c'est pas très bien ça. Putain. Par où ce truc de merde là? Il y a un truc à fouiller ici. Ah là. Bon, on va essayer de voir si j'appuie ce que ça fait.
faire un tour si. On va voir. Hein. Je pense pas. Hein. De toute façon, au pire, je remonte. Mais je pense qu'il y a un. C'est un des quatre. Dans le centre médical. Ah non, c'est bon. C'est pas grave. Je suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Pourquoi tu m'as envoyé ici ? Plan B, Rip. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est l'Anesidora. Marlowe a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré ? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances. Ça peut le faire. Ok. Donc on doit aller, on doit aller tout là-bas. Donc alien. Ah là ça va, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a d'avoir qu'un seul alien. Je dis bien, il y a l'air. Donc on va y aller. Ah, tâton. On pourrait tomber sur plusieurs, je sais pas. En tout cas, les bébés, il n'y en a pas en tout cas. Les bébés, c'est juste les mains en fait. Je pensais qu'il y en aurait, ça aurait été sympa, mais bon. Parce que j'aime bien les petits aliens, ils sont mignons. C'est tout marrant. Oh putain, mais oui, je connais ici. Il est derrière nous. De toute façon, pire, je prends mon slam. Le problème, c'est qu'ils sont pas les couilles maintenant. Je crois qu'encore une fois, il est... après ils sont pas les couilles. Ça a pu un peu ça par contre. Je pourrais le faire une dernière fois. Jeune, je crois. Ah, c'est là. Il peut tomber ici ou pas? Tout à droite. En tout cas, là où je suis, ça part l'air. On est bon. Hop, ça dégage. Ramasse à prendre un replay pour faire des yeux différents et améliorer. D'accord. Bon. Ça me rappelle quelque chose, toi. D'après mon terminal, il y a déjà eu un lancement. Marlowe a pris une des navettes. Ah bah oui, c'est vrai. C'est l'endroit où on avait foutu, qui avait tout le feu, je me rappelle. On était montés comme des cons en haut. Voilà. Je sais plus trop ce qu'il y avait, mais on était bienvenus ici. Ouais, je me rappelle. Ok, putain, oui, on est déjà venu en effet. Ouais, faut aller tout là-bas. Wade, ça a vraiment foutu le bordel ici. Ah, il y avait tout le feu, je me rappelle. On se croit par là. Plutôt par là. Wesh. Ah bah c'était pas notre truc justement quand ça a explosé. Bah si c'est ça. Quand ça a détaché tout en fait. Ok, il a pas l'air d'être là. On fait quoi? On va là. On va tout devant. Conduit. On prend le lanceur maintenant. J'entends pas. Ok. On aurait pu passer par. Ouais, non, ça, je sais pas si on peut passer à droite. Et je me rappelle, au tout début c'était ici. Enfin, pas tout début du jeu, mais. Pas loin. Au début.
cause d'un con de Android. On va sauvegarder le site. De mon terminal, il y a déjà eu un lancement. Marlon a pris une des navettes. Wait, ça a vraiment foutu le bordel ici. On va essayer de skip si on peut. Devant moi le salaud. C'est à droite, je crois que l'endroit il était. Ok. Ah, il y a une sauvegarde ici, j'ai pas vu. Cette zone est interdite, et je sais que vous êtes là. Il est deux là. Avec la présence dégagée, pas volo informé. Non mais il m'avait pas vu. Je peux même pas passer à cause d'Android. Il a l'air tout le monde. Ouais, tâchons de pas se faire tuer ce coup-ci. Faut pas qu'on s'assoie pendant le bruit. Il est mort. Hop, on a brûlé. Il y a une feu. Je
Allez, on va sauvegarder. Ouf, vache, on a du mal à passer celle-là. Hein. Je me rappelle ici, un coup, il venait tout le temps l'alien. Ouais, d'accord, tout est. Il n'y a plus de courant, quoi. Ok. Je sais pas si elle est repartie par contre. Ouais. Dans les canaux, les trucs. Oui, auquel ça. En vrai, je pense qu'on va le faire un thé comme ça. On va passer par la gauche. Ça? Ouais, comme ça. Oh, ouais. Ouais, c'est un peu plus vite, mais. Il est à l'ouvri, donc ça veut dire qu'il est loin. Ok. Là on est bon, ah, c'est près de la sauvegarde je pense. Qu'on veut. À droite, à gauche. Ouais, c'est ouvert maintenant. Je vais te regarder un coup quand même. Peut-être sauvegarde s'impose. Et il y avait un endroit ici. Eh hey, mais d'ailleurs. Où il est passé cet endroit de mort. Il y avait un ici. À moins que je t'ai tué. Non, je crois pas. Hein. Ok, on sauvegarde, donc c'était bon. On va aller par là, on se va, il descend pas trop. Il sent vraiment quand il y a du bruit, donc quand on court ou ce genre de choses, ou on tire. Alors on tire, ça y est, c'est fini. Venir ici peut-être. Baie des ambulances. J'ai couru d'un coup. J'aurais peut-être pas dû courir et me lever. Il a peut-être entendu le coup. Non, ça va, il a pas trop entendu. Ouais, mais je me méfie quand même avec ce petit cochon là. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs au fait là, avec les boîtes. Je vois toujours des boîtes, mais je sais pas c'est quoi. Ah, c'est des badges. Ah, ça, c'est des badges du coup que j'ai pas pris en fait. Ah d'accord, ok, je comprends même maintenant. Je me posais la question, c'était quoi. Donc ouais, il y en a plein des badges que j'ai pas pris. Il y en a plein. Les badges et les trucs, ok. Mais je vais chercher quoi ici, moi. Ah, je vais mettre grenade B3. Attendez, j'ai vu un truc, c'était fermé. On va pas la sauver. C'est l'endroit que j'étais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Trouver une ambulance de sang, Crystal. C'est un bouton ou quelque chose. Il faut des fois que ça s'actualise le truc. Sait-on jamais.
Ça peut pas être l'heure tout de suite. Putain, mais une machine à fast-food quoi. À kebab et tout, à tacos. À tacos, non? Non, c'est sandwich, des kebabs, des pizzas. Mais pas de tacos. Triste. Je sais pas s'il peut venir ici par contre. Je vois pas de trappe. Ah si, il y a une trappe là, putain la chier. Donc il peut venir ça, go. Putain, c'est quoi ce bordel? Eh oh. Merde, mon synthoniseur d'accès est pas assez puissant. Ah, c'était là. Marlowe a réussi, il doit bien y avoir un moyen. D'accord. Fallait aller près du truc là. Mettre à jour le synthoniseur d'accès au niveau 3. Ah oui, d'accord, je fais comment ça? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a sûrement un truc quelque part qui permet de l'améliorer. Qui est posé ou je ne sais quoi. Oh non. Oh non, j'ai peur. Je crois qu'il fallait à chaque endroit pour aller chercher un truc maintenant. Ça va. Ça va. Y'a pas un truc qui l'a clignoté là? Ah bah voilà. C'est parce qu'il me semblait. Niveau 3. C'est où déjà? C'est là, non? C'est là. Oh, tranquille, 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 tranquille. Tranquille. Ah voilà, je préfère ça. Les coordonnées sont déjà dans le système. Appuie sur le bouton. Et toi? Quel bouton? Quel bouton, mon ami? Ah, là, ok. Ah. Nous sommes poste de commandement, de pilotage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ok. Ah, donc c'est un petit vaisseau alors. Je peux le conduire? C'est quoi ce truc? Je comprends pas. Ah, ça nous amène à un autre point, c'est ça? Bon, je crois. Une cinématique, peut-être. Alors. Stadusa a amené où? Ricardo, tu m'entends? Ok, il y a une sauvegarde là déjà. C'est une bonne chose. Ok, reconnais-moi. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est par là? Ça a l'air. Hein. Explorer l'Anseria. L'Anessie d'horreur. Ah, c'est ça le fameux vaisseau, je sais pas quoi là. Ah, c'est sur un vaisseau qu'on est là. Non, il n'y a pas d'alien alors. Quoique. Quoique, ça. Ouais, on dirait trop un alien le truc. C'est bizarre ça. Un truc pas clair ici. J'entends rien donc c'est qu'il n'y a pas d'alien, mais je suis sur un vaisseau après. Normalement, il n'est pas censé avoir d'alien. Oh. Jean, c'est peut-être enfin revenu. Ces deux dernières années, on a vraiment eu du mal à joindre les deux bouts. Et l'année Fidora commence à ressembler aux épaves qu'on explore. On peut pas dire que l'équipage ait fait mieux. Et puis on a trouvé cette boîte noire. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo. Oh! Propriété de Wayland Yutani. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlowe a une idée encore meilleure. Déduire la trajectoire de la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave du Nostromo. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment.
L'heure est venue. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber. Il l'a toujours dit. On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Nix et moi sommes sur le point de... D'accord, c'est pas problème. ...prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non? C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Les choses ont un peu dégénéré et Nix s'est pris un bain. Donc, je sais pas, peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si je doute d'un truc pas clair quand on pose le pied à bord, je veux rien avoir à faire là-dedans. Marlowe nous paie trop peu pour ce genre de plan. D'accord. Ok, donc là, c'est le vaisseau de Marlowe, en fait, le gars qui était prisonnier au début. Je sais pas ce qu'il y a d'ailleurs, celui-là, il a dû, pour moi, c'est enfui, ce qui paraît. C'est bien gentil, mais moi, je m'arrive ici, quoi. À moins qu'il y a une porte qu'on peut ouvrir, peut-être. Pirate à chemin corrompu. Ah. Bon, il n'y a rien du tout, hein. Ah, j'ai pas vu ici. Tapez le mot de passe. Ah, il y a ma mot de passe là-dedans. J'ai pas le mot de passe. C'est quoi le mot de passe? 4510. Ok. Ok, ça c'est bon déjà. Ok, là on se retrouve ici. C'est une porte fermée. Là, c'est sûrement le générateur. C'est là où il y a les propulseurs, peut-être. Petit générateur de famille. Je mets en marche tout ça. Regarde, ça a pas des trous. C'est pas de trous, normalement la même peut pas venir. Donc voilà. Mais s'il y a des trous par contre, ça pue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui. Oh. Oh fuck. Nickel. Ricardo, si tu m'entends, j'ai remis les systèmes d'énergie de base de l'Anesidora en ligne. Les portes devraient s'activer, peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. Ouais, d'ailleurs, il est où Marlowe? Salut, Ripley. Je te souhaite la bienvenue à bord de l'Anesidora. Marlowe? T'es où, Marlowe? Merci d'avoir remis le courant. Tu m'as évité d'avoir à le faire moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. Où est Marlowe? Peut-être se battre contre lui, peut-être. Je vois mes balles, parce que là... un droïde tout à l'heure, bon, je disais un clou. Il me reste quoi? Il me reste un clou. Je peux te le charger. Ouais. Une balle de revolver et un pompe. Pareil, on charge tout. On va le buter, ce gars. C'est lui qui l'a ramené quand même. Putain, il est là-bas. Il me voit, hein. Je suis sûr qu'il me voit. C'est quoi si je tape la caméra? Salaud. Ah bah, c'est ouvert ici. Sur la créature pour que j'ai un
bien sur le vaisseau. Je pensais pas, j'entendais pas en vrai. Non, j'entendais pas. Bon, on va sortir le lance-lame, hein. Direct, hein. J'ai pas pu réagir, pour le coup. Il veut les ramener. J'ai quelque chose pour toi. Oh non, il veut les ramener, le bâtard. C'est pour ça qu'il y en a partout. Hein. Mais Taylor, c'est pas la fille qu'on a essayé de soigner depuis le début, là? Je crois que si, hein. On a sorti le fusil, là. Le canon, là. Ça pue, ça. Un peu de mal à lui. J'ai essayé de sauver Foster, tu sais. Je l'ai amené sur Sébastopol et au passage, j'ai brisé un tas de règles en l'absent monté à bord. C'était pas très intelligent de ma part. Quel con. On peut pas vaincre cette chose, Ripley. C'est pas possible. Ah, ok, c'était ça. Ok, d'accord. C'était son équipe et justement, la pointe dans son corps, l'autre. Tout ce qu'on peut faire, c'est refuser le combat. Faut effacer toutes les traces, détruire toutes les preuves, arrêter la propagation de l'infection. S'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais, parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle a gagné. La compagnie ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne ne le saura. Je ne le permettrai pas. Ouais, mais il y en avait un dans le vaisseau, hein, mon pote. Donc t'aurais dû vérifier avant de monter. Hein. Ok. Voilà. Un petit générateur là. Ok, pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh, mais y a un truc. Ah putain, j'ai raté le terminal. Pas de courant. Super, merci les gars. Pas de courant, rien du tout. Qu'est-ce que vous avez foutu encore? C'est quoi ça? Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois, j'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et on a trouvé une créature extraterrestre. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Et eux, je devais tout Nostromo, faire elle était pour là. Te protéger. Putain, ils sont cons. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. On se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie. D'accord. Elle est là. Maintenant tu comprends ce que je fais.
Je vais détruire le vaisseau. Mon plan, c'est de surcharger le réacteur à fusion. Ça va en faire une putain d'arme nucléaire. Tu vas détruire le vaisseau et la station. Ça effacera pour de bon toute trace de la créature. Ripley, tu sais que c'est le seul moyen. Je peux pas la laisser survivre. Et je laisserai pas la compagnie mettre la main dessus ou ils recommenceront encore la même histoire. Écoutez-moi, on n'est pas obligé d'en arriver là. Arrête! Arrête ça, Marlo! Marlo, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait? Elle avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature? Personne ne doit savoir. Faire quoi, là? Faut fuir. Il y a encore des gens qui sont en vie sur la station. Marlo! Mais il n'y a pas Foster. C'était ma femme. Je l'aimais. Et je l'ai tuée. Bien. Je crois qu'il est trop tard. Il a enclenché. Il a enclenché. Taylor, je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Va à cette console. Attention, réacteur à fusion en cours de surcharge. Ouvre les systèmes de fusion que je puisse y accéder. Quoi? Faut que j'envoie de l'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. Je l'ai trouvé. Super, tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu vois? Je ne trompe pas. Il y est. Fais-moi confiance. C'est ça. Oh, ça a explosé, on n'a pas le temps. Super, tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu vois? Je ne trompe pas. Il y est. Fais-moi confiance. C'est ça. Putain, il y a un truc. Moi, j'ai chaud. C'est qu'on a sauvé depuis le début. Attention, chute critique. Attention, chute. Où j'ai où? Attention, chute.
Ouais, c'est parti. Ok, donc là déjà le vaisseau là il est déjà mort. Faut pas s'échapper. Pas avec ce vaisseau en tout cas. Frapper un mur ou une surface, je sais pas quoi, j'ai pas lu pour faire je sais pas quoi. Ricardo. Ripley, l'explosion a bousillé les stabilisateurs orbitaux. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance où tu t'es amarré est niquée. Le Torrens est notre seule chance de sortir. Bah ouais. Ok. On a de la compagnie. La sécurité de la Sixon vient de débouler. Avec des armes, les furax, j'ai dû bloquer sous un bureau. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils veulent? Le Torrens. Ils ont entendu la diffusion. Ils veulent le contacter. Je crois qu'ils veulent le prendre de force. C'est possible ça? Non. Ne t'approche pas d'eux, ils sont dangereux, ils n'ont plus rien à perdre. Ça le fout, vous êtes comme baiser comme ça. Ils sont fous. Là. On a plus 3 balles de revolver. Je préfère garder le revolver pour eux, les humains, et les pompes pour les autres. Pompe et poule, tout ça. Donc, comme ça on est bon.
fait quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un stabilisateur orbitaux opérant à 80% avant. Je sais pas, c'est du mouron, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission donnée pour la compagnie et mise à bord de Tribus par un vaisseau avant qu'il entame le voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ici le capitaine Wallace. Pour mon premier rapport depuis notre voyage retour de notre séjour sur Tidus. Quand on sera rentré, j'aimerais une réunion avec le responsable du bâton. Mon officier scientifique a été remplacé sans aucune raison évoquée. Mais on m'a prévu à peine deux jours à l'avance. C'est un peu abusé pour ce genre. Faudrait juste qu'on m'explique. On sera prêt au chargement une fois l'appel reçu. Dallas, terminé. Nostromo, terminé. Nice, bon, on a eu les mecs. Après c'est bien, on récupère des balles pour contre eux déjà. Ok. Beaucoup pour le cas. Mais tu m'as niqué mes balles en fait. Je t'explique. Putain, j'ai plus de revolver. Abusé à cause de toi. Jeune fou. Qu'on va faire? Trouver Ricardo. Ah mais il est là-bas. Ricardo. Ricardo. Moi j'ai accès à tout normalement. Écoute-moi, les permissions de Marlowe sont encore dans ce terminal. Avec les coordonnées du Torrens, on pourrait réaligner les paraboles de transmission manuellement et contourner Apollo. Il y a un observatoire près des coms, non? Ouais, tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. Oh, l'observatoire. Ça, tu m'ouvres? Yes, nickel, merci. Ok. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir les aliens, hein. Le conduit ou quoi. Stabilisateur orbitaux opérant à 40% avant chute. Par contre, il y a des ennemis. Ça me va un peu chier parce que...
Je voulais pas perdre toutes mes balles de revolver. Je préfère garder celle-là pour les androïdes et tout. Mais bon, c'est pas le choix, j'ai pas le choix. Je vais au corps à corps parce que je vois qu'un coup de pompe, ça les défonce. Des flingues. On les tue. On a trop là. On a trop. Ah, oh, ça me ferait des balles de revolver en vrai. J'y vais aux pompes au corps à corps. Ouais, j'ai beaucoup de balles de pompe. Ça a défoncé leur corps, le pompe. Putain, ils sont fait enchaîner. Moi j'ai des balles de revolver donc voilà. En plus du fusil. Et c'est nice. On joue que 4 balles mais. Toujours ça on va dire. Ça pour des balles. Hein. On a tué les pauvres gens. Ah, il y a des balles là non. Ouais, en vrai ils ont des armes et tout, ils voulaient m'attaquer donc légitime défense. Allez, ouvre-nous la porte. Le commandant est mort. Il avait quoi le nom? Il avait rien. C'est quoi? Une échelle? Pas un truc à choper ici, quelque chose? Non, pas moi, il n'y a rien. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Confirmé. Faut faire quoi? Je sais pas ce qu'il faut faire. Je clique dessus. Là, il faut. Ah, faut peut-être les valider, peut-être. Ah! Ah, ok, j'ai compris. C'est dur, hein. Oh le bâtard. Oh par contre j'ai plus vie. Un kit. Ouais j'ai tout en full là. On pourrait faire quoi encore, un truc, un cocktail? Ça vaut cher.
Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, il y a un truc là. Ça fait quoi là? Je comprends rien. J'appuie partout. Je comprends pas c'est quoi ce dire. Wouah, des yeux ouverts. Faut contrôler l'alignement. Hein, peut-être qu'il faut les cercles, faut que soit dans le truc là peut-être. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là. Attendez, utiliser LS pour contrôler l'alignement de l'amarrage. Ah, donc faut peut-être que ça soit aligné, peut-être. J'ai réussi là, non? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut aligner? Le cercle, les traits, qu'est-ce que c'est le bordel? Ah. Là, j'ai réussi. En fait, faut vraiment aligner. J'ai réussi avec les flèches, pas avec le joystick. C'était dur. Sauf que là, c'était pas évident. Non! Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe toujours des trucs. On va fuir tout ça. Oh non. Faut l'aligner, c'est ça. Faut attendre le cercle qui s'aligne avec l'autre truc. Putain, en fait, j'ai le droit à une deuxième erreur. Enfin, une deuxième chance, pardon. Pile le bon truc, quoi. C'est pas un centimètre de décalage, c'est enfin, un millimètre plutôt. C'est pas un millimètre, c'est genre vraiment pile pile. Entrer les coordonnées des torrents manuellement, d'accord. C'est où c'est là? Je sais pas, moi je m'en vais, je peux me partir, ah, c'est. Ça, le sens. Quel sas, je comprends pas. Attendez, faut aller là-bas, mais peut-être qu'il faut aller de l'autre côté. Bonne question. Entrer les coordonnées de Torrens manuellement. Contrôle des commandes apparemment devant. Ah. Un truc de sauvegarde entendu. Ah. Il est où le truc? Il y a un ascenseur là. Oh, mais c'est là justement faut y aller. Ils m'ont bien dévoilé quelque chose là, le gars. Ah, mais c'est vrai, ça. Je sais pas si tu vois ça, le gars, t'es en bas.
Ouais, je crois que c'est là. Peut-être c'est là. On prend ça. On peut se changer. Okay. Allez, dépêche-toi, ça va être l'enfer quand Sébastopol va sombrer. On va courir. On va s'accouvrir, on va courir. La vue est pas mal. C'est intéressant. Oh, c'est le soleil ou quoi ça? Enfin, c'est un soleil, peut-être. Ça me paraît bizarre à cette distance-là, on serait déjà mort depuis longtemps. Je pense. Est-ce que c'est peut-être une explosion d'un truc ou peut-être une planète? Okay. Il y a un truc là. Oh non, je crois qu'il y avait un alien, mais non, c'est pas un alien, c'était juste un débris, je crois. Je sais pas, ça aurait été des aliens qui peuvent se balader comme ça. Je sais pas du tout. Et oh, le truc est là. Entre les coordonnées dans le terminal. Le terminal. Ah, il y a un truc là. C'est où la console d'animation? C'est derrière. Il y a un truc qui m'a tiré dessus ou il y a eu un éclair? Je sais pas, il y a un truc. Ah, c'est où? Ah, me dites pas que c'est par là quand même. Ah bah si en fait. Putain je crois que j'ai pas vu, je suivais le point vert, mais non en fait le point vert c'est le truc qu'on doit faire, mais c'est là-bas qu'on doit aller. Il y a pas quelque chose là? Non j'ai suivi. En fait non c'est le reflet du casque en fait. D'ailleurs on va pas tarder à s'arrêter pour le live. D'ici une quinzaine de minutes on s'arrête. Je crois qu'on après le prochain live sera le dernier je pense. Si tu auras longtemps ou pas, mais en tout cas ce sera le dernier. On ne voit vraiment rien ici. Ouais, j'ai pas de lumière en plus. C'est par là? Oui. Thank you.
J'ai avancé, mais il fait noir comme je sais pas quoi ici. Je fais quoi, moi? Qu'est-ce que ça s'allume? Oh, ça fait mal aux yeux. Ok, tout s'allume. Je pense qu'on peut revenir en arrière. Mais... c'est étonnant qu'on est dans une grosse station comme ça, qu'il y avait que quelques gens qui ont survécu en fait. C'est très étonnant. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cadavres en vrai. Et c'est pas depuis longtemps que ça arrive, donc bah, que ça arrivait en tout cas tout ça. Donc tous les morts n'ont pas le temps de décomposer en fait. Donc c'est bizarre qu'on a un peu de mort. Au moins que ce soit une petite station. On ne sait pas. Ah ok. Ah faut moins. Faut 10 degrés, c'est ça. Faut la 10. Putain. Je peux pas aller plus loin. Putain, j'ai dégueulé. Apparemment c'était bon. Ça a vibré. À 35. T'as bien de celle-là. Vous savez qui ça? En train de dériver vers le soleil. C'était une possibilité parce qu'ils avaient dit tout à l'heure qu'on dérivait dans l'espace. Peut-être qu'on dérive vers le soleil vu que l'attraction du soleil nous attire. Et bien, peut-être que on se dirige vers un soleil. Parce que c'est vrai que ça me paraît une bizarre que ça me plaise. On dirait plus un soleil qu'autre chose. Torrens, ici Ripley sur la station. Verlaine, tu me reçois? Ripley. Putain, mais qu'est-ce qui se passe sur la station? C'est la merde, Torrens. Il y a un organisme alien ici. Mortel. On a besoin d'une évacuation d'urgence. Un quoi? Pas le temps d'expliquer, s'il te plaît, Verlaine. On n'a nulle part où s'arrimer, Ripley. Et la station commence à se détacher de son amarre gravitationnelle. J'ai vu une plateforme de remorquage sous le terminal de décollage. Mais le cordon ombilical du Torrent, c'est pas conçu pour. Faut que tu déploies les pinces de la plateforme de remorquage côté station. Mets-toi en position. Ok. Où c'est ce truc? Me dis pas que c'est tout au bout. Putain, c'est tout au bout. On doit rentrer du coup, on va faire tout le chemin arrière. Bah, vous savez quoi, de toute façon on va revenir en arrière. Et on va sauvegarder dès qu'on est dans le vaisseau. Au moins ça fait du gameplay, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on arrive à faire les trucs. C'est vrai que c'est, faut quand même aller à 50 millions d'endroits. Ça change. Puis c'est un peu lent quand on est avec le truc là, donc ouais.
On profite de la vue, quoi. Donc j'oublie de refaire tout le tour. Après, ça va aller vite. Enfin, vite. Ouais, après, une fois que je serai dedans, de toute façon, ça va... il y a deux endroits là, apparemment. C'est dans le prochain live, ça, de toute façon. On va... De toute façon, on va arriver, on va se regarder, et puis on va s'arrêter là, quoi. Je pense que ce sera largement assez pour ce live. Puis comme ça, on pourra peut-être finir le let's play dans le prochain épisode, peut-être le 10e. Je suis pas sûr si c'est le 10e ou le 11e épisode le prochain. Je sais pas. En tout cas, ouais, le let's play, hein, c'est intéressant. On remet le truc, on sauvegarde et puis on s'arrête là. Parce que là après je pense qu'en fait on va arriver là-dedans. On va les utiliser les pinces ou d'amarrage, je sais pas quoi. Et après on va s'amarrer au torrent, c'est après une fois qu'on aura amarré, je pense qu'on va se casser, hein. Ça me paraît être le plus logique des choses. Donc ouais, il reste encore 2-3 missions, je crois, je pense, hein. Je sais pas, après j'imagine. On va poser ça et on sauvegarde. Avancer quand même un petit peu histoire d'être le plus près possible pour le prochain live là-bas. C'est où le pins? C'est là, ça? Non, c'est pas là, c'est là. Ricardo, prépare-toi à bouger, on se casse. Ça, c'est une super nouvelle. Ricardo? Ricardo, tu m'entends? Ricardo, réponds-le. Il arrive de la merde. Hein. Sont réussi à venir. Alors là, on prend le lance-lame. Et là. Barre-toi, enculé. Je ne veux pas te voir. Qui se casse. Imaginez qu'il se casse pas, qu'il peut pas remonter dans ses ventilations. C'est possible en plus. Au pire, c'est possible. Je crois qu'il n'y a pas de ventilation en fait. Je suis obligé de passer comme ça. Je pense, il restera comme ça. Putain, la galère. Soit on fait un coup de feu, sauf qu'il le fume, ça fait pas rien. Ça. Le problème, c'est qu'il bouge trop en fait. C'est pas comme un androïde en fait. Moi, j'avance trop lentement. Je le skip comme ça.
Ah oui, il va faire que ça. Ok, première fois qu'il se cassera pas. Putain, c'était un peu chiant parce que je suis passé là-bas moi. Dessus là. Ok, il y a peut-être moyen de le brain. Ouais, je pense qu'il y a un grand moyen. Par contre, ça a chopé, c'est tout. Le problème, c'est que même en le brainant, il reste au-dessus. Parti dans la ventile purement au chaud, arrivant bizarrement. Tranquille, on se casse. On se casse. On sauvegarde aussi. Poser directement. Oh putain. Il est là. Il va tomber là, c'est sûr. Non. Allez, c'est parti, tout doucement. On n'est pas là pour courir. Notre pote. Ricardo. Qu'est-ce que c'est ça? Ricardo. Ah, ok. D'accord, je n'avais pas compris. Au début, je croyais que c'était un extraterrestre, mais non, en fait, c'est un. Oh, je viens de le voir bugger là. Ok, ça fait avoir. C'était sûr, hein, de toute façon. Cette musique là. Donc il s'est fait avoir par l'extraterrestre, mais il est, on dirait qu'il est mort sur lui. Pourquoi cette musique là? On n'a jamais vu cette musique là.
Bon alors attendez, on va la sauvegarder d'abord. On va aller sauvegarder tranquillement là-bas. Laisse-moi tranquille, jeune ami sauvage. Putain, c'est par là, sauvegarde. Laissez-moi tranquille. Ah oui, il a une ligne vraiment fine, hein, putain, dis donc. Il est passé à côté de moi, il a pas bougé. Il n'a même pas vu le bestiau. Après j'ai ça, il va peut-être me tuer. J'ai pas l'impression qu'il va remonter. Hein. Au niveau de la sauvegarde, il me saoule au niveau de la sauvegarde le bestiau. Il est dans le truc de sauvegarde en fait, là où je dois le sauvegarder quoi. J'ai cramé hein. Ok, bon on est bon là au niveau sauvegarde. On va s'arrêter là. De toute façon on va s'arrêter là. Je l'ai cramé mais à un point. Après je crois que là c'est mort après. Je crois que là il nous fera. Là il est plus gentil là. Là il. Je crois que. À moins que c'est un nouvel alien du coup, vu que. Est-ce que c'est un nouveau, bah peut-être qu'on a peut-être des chances. Il s'est barré donc. Donc c'est bien. Tant mieux. Donc l'autre est mort. Bon ça c'était plus évident, donc on se retrouve toute seule. Bon là il y a un chemin là qui mène là, donc c'est sûr c'est là. Qui va amener là. Ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour le live. Merci à vous d'avoir regardé. Franchement, c'était plutôt sympa. Prochain live, peut-être épisode final, je ne sais pas. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.